des kits scolaires pour stimuler la saine émulation au niveau des enfants les plus démunis de la commune de Kwamase, arrondissement de Segboré, village de Vovio. Cette action de remise de kits scolaires aux enfants vulnérables, qui intervient à point nommé au début de cette pré-rentrée, facilitera le maintien de plusieurs enfants à l'école et permettra d'enregistrer de nouvelles inscriptions. Elle favorisera également une mobilisation sociale autour de l'accompagnement des couches vulnérables et améliorera la fréquentation du centre de promotion sociale de Kwamase par la population de Vovio, de Segboré tout entier et de la commune de Kwamase en général. Le gouvernement attache du prix aux couches les plus démunies. Cette action consiste, au cours de cette année, à soutenir la scolarisation de ces écoliers et élèves ciblés à travers des appuis en kit scolaire d'une valeur totale sur toute l'étendue du territoire national de 50 millions de francs CFA. Et cette cagnotte provient des ressources de la subvention d'exploitation du Fonds d'appui à la solidarité nationale et des crédits délégués des centres de promotion sociale. Pour cette première étape, 100 bénéficiaires inscrits au cours primaire et secondaire sont retenus pour ce qui concerne le village de Vovio dans la commune de Kwamase. La scolarisation constitue un élément déterminant dans la formation de la personnalité de l'enfant aujourd'hui et qui sera l'adulte de demain. C'est donc à juste titre que le poète Victor Hugo déclare que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il dit aussi que l'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. Il faut donc sortir de l'ignorance pour gagner le combat de l'élévation de l'être humain et celui de la lutte contre la pauvreté. Une bonne rentrée scolaire pour ces enfants, gage de bon espoir.